Cette vidéo a été tournée grâce au programme EA Game Changer. Hey, coucou les amis, c'est Krim. On se retrouve toujours pour une vidéo sur les Sims 4 tricot de pro. Ce coup-ci, on va aller faire un petit tour dans le CS pour découvrir ensemble les nouvelles coiffures et les nouveaux vêtements, etc. De ce que j'ai pu en voir, ça me plaît énormément, donc on va aller voir ça un petit peu plus en détail. Pour tester les nouveautés du CRS de ce kit, j'ai fait appel à la très jolie Peach et à son papa Malabar, qui sont donc respectivement la génération 8 et 7 de mon Not So Berry Challenge. Donc on va aller voir tout de suite avec elle ce qu'on nous propose. Alors, j'ai vu qu'il y avait des nouvelles coupes de cheveux. Alors j'aime bien. Ça fait très... très années 50, très ménagère de moins de 50 ans. Écoutez, moi j'aime bien. En plus ça lui va bien, d'un côté tout lui va. Après on a ça, alors ça fait nettement plus jeune. Hein. Là on n'est plus tout à fait sur la ménagère de moins de 50 ans. Mais franchement ça lui va pas mal aussi. J'aime bien les petits détails, les petits cheveux le long du visage, je trouve ça très sympathique. Alors ça je pense qu'à la base c'est donc la coiffure des hommes, mais qui pour le coup ça lui va pas mal aussi. Ça aussi je pense qu'à la base c'est plutôt une coiffure masculine. Et celui-là, bah pareil, c'est la même mais d'une seule couleur. Donc voilà, on a donc ces, je dirais, deux coiffures pour les femmes, trois pour les hommes. Et comme tout est mixte, ça donne ça. Au niveau, voilà, on va mettre ça. Au niveau des chapeaux, j'ai vu qu'il y avait un bonnet. Donc, ok. Ah, d'accord, je peux pas vous montrer les autres couleurs parce qu'il faut développer le tricot pour ça, visiblement. Donc voilà, je peux rien faire de plus. Il n'y a pas de nouveaux accessoires et il n'y a pas de nouveaux maquillages dans ce kit. On va donc aller voir tout de suite les nouveaux vêtements. Oh, on va commencer déjà par les hauts. Donc les hauts, on a un petit top en crochet. J'aime beaucoup en fait, franchement. C'est très mignon. On a un petit haut brodé. Pour le coup, avec des petites fleurs. Comment te dire? Un ça. C'est quand il fait très 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 froid. Voilà. Ou que tu as mis toutes tes affaires sur toi. Et il n'y a qu'une couleur. Ok, ça c'est déjà plus raisonnable, avec la petite, c'est pareil, je peux pas vous montrer les couleurs, parce qu'ils sont bloqués, étant donné qu'on n'est pas assez élevé au niveau tricot, tant pis, vous découvrez ça par vous-même, et je suppose que voilà, donc là c'est pareil, on a la version courte, la version un peu plus longue, mais vous ne verrez pas d'autres couleurs, parce qu'il va falloir les tricoter vous-même. On va se laisser là-dessus. En bas, qu'est-ce qu'on a? On a deux pantalons. Alors, on a un petit jean avec des petits strass collés dessus. J'aime beaucoup. Et le même sans les strass. C'est super joli, ça. Et j'ai vu qu'il y avait des nouvelles chaussures aussi. Des petites bottes avec le haut, pareil, en tricot. J'aime bien, j'aime beaucoup, en fait. Ça lui va bien. C'est dommage, il n'y a pas couleur de cheveux pêche. Sinon, elle aurait fini comme ça, la demoiselle. Est-ce qu'il y a des nouveaux accessoires? Oui, il y a des nouvelles chaussettes. Donc, on va se... Hop, hop. On a donc des chaussettes multicolores. C'est pareil, il va falloir prendre le tricot pour avoir d'autres couleurs. On a des petites soquettes, la même chose. Et on a des grosses chaussettes, pareil. Donc, voilà, je ne peux pas vous montrer plus que ça. Il va falloir bosser un peu. Au niveau du corps entier, qu'est-ce qu'on a? On a une tenue. C'est sympa. Une petite jupe avec un petit gilet. Bah, écoutez, je suis plutôt contente, moi, de... Il n'y a pas grand-chose. Hein. Je vous rappelle qu'on est sur un kit. Hein. Sur un kit d'objets. Donc, il n'y a pas énormément. Mais sincèrement, j'aime bien ce qu'il y a. Je suis plutôt contente. On va quand même aller faire un tour du côté des looks prédéfinis. Donc on a ça. Hein. C'est bien. Tout lui va, celle-là, je vous jure. On a ça, très bien. Why not? On a ça. Parfait.
Oh, il y a plus de tenues prédéfinies que de tenues tout court. Cherchez l'erreur. Alors, je sais qu'il y a aussi au niveau des enfants. J'ai vu ça tout à l'heure. Les coiffures marchent aussi pour les enfants. Il y a des tenues. Donc, on a les deux mêmes coiffures que pour les adultes. Le même chapeau, donc pareil, qu'il va falloir bosser toi-même. Et on a donc pas d'accessoires non plus. Bon, pas de maquillage jusque-là, c'est normal. Et j'ai vu qu'il y avait aussi des vêtements. Donc, il y a ce petit pull là, que pareil, voilà. Alors, vraiment, alors, va vraiment falloir aller bosser sur ce pack, hein. Enfin, sur ce kit, pardon. On a cette petite robe. Oh, j'aime beaucoup. C'est trop mignon. Les couleurs, les petites broderies. Je suis totalement fan. Est-ce qu'on a un bas? Non. Est-ce qu'on a des accessoires? Oui, bah, les mêmes chaussettes que pour les adultes. Est-ce qu'on a des chaussures? Bah, les mêmes. Voilà, on a les mêmes. Est-ce qu'on a des looks prédéfinis? Oui. Donc on... Oula, je vais trop loin, pardon. On a... Ouh! On y retourne. Les looks prédéfinis, donc on a ça. Ce qu'on avait à peu près. Et puis c'est tout. On a donc les fameux body qui sont tricotés. Et brodés. Alors c'est pareil, voilà, comme d'hab, vous commencez à avoir l'habitude. Je peux rien vous montrer. On a un petit ensemble. Ah, celui-là, je vais pouvoir vous montrer des choses. On a un petit ensemble brodé. Alors, je suis contente. Pour une fois, on a... Il n'y a pas grand-chose parce que c'est un kit, mais on a des tenues pour les bambins. C'est cool. Donc, je vous présente Malabar. Donc, Malabar, au niveau des cheveux, tu vas avoir le choix. Hein, ceci. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Celui-là. Ou celui-là. J'aime beaucoup celui-là. Hein, le petit côté poivre et sel qui va bien. C'est très sympathique. On va aller voir les vêtements. Alors, ben, on a pareil. Hein. Voilà. On a ça et ça. Alors c'est pareil, je suppose. Ah non, je peux le décliner celui-là. Très bien. Celui-là, logiquement, je peux pas. Voilà. Celui-là, je peux le décliner aussi. C'est un peu court, moi, je trouve. J'aurais préféré un peu plus long. Et celui-là, bah, je peux pas le décliner. Mais j'aime beaucoup. On va peut-être lui enlever le chapeau, non? Ça lui va tellement bien. D'un autre côté, le rose, c'est sa couleur. Hein, donc bon. Est-ce qu'on a des pantalons du côté des hommes? Oui. On a le même que chez les femmes. Hein, donc voilà. On a le même que chez les femmes, ok. Est-ce qu'on a des accessoires? Bah, les mêmes chaussettes que pour les femmes et des chaussures, pas du tout. Alors, il y a effectivement bah, les deux mêmes coupes adultes, hein. Ça c'est sympa. Le même chapeau, je suppose. Et au niveau des vêtements, on a quoi? Le même pull que chez les filles, pas de pantalon, pas de corps en entier, pas les mêmes chaussettes, pas de chaussures. Et si les petits bambins, garçons, on a quoi? Pas de coiffure, le même chapeau. Et la tenue, je suppose que ça va être, voilà, juste le petit body qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, bah écoutez, j'espère que j'ai rien oublié. Je crois qu'on a fait le tour du kit. Ce que j'en pense, sincèrement, c'est que c'est plutôt pas mal du tout. J'aime beaucoup. Voilà, franchement, il n'y a pas grand-chose, mais c'est simple, c'est efficace. Je rappelle que c'est un kit d'objets, hein. Donc clairement, fallait pas s'attendre à des milliers et des cents. Mais honnêtement, je suis pas déçue. C'est joli, il y en a à peu près pour tout le monde. Et je vais m'en servir bien, je pense. Voilà, dites-moi si vous avez une tenue préférée dans celle que je viens de vous montrer. Est-ce que ça vous plaît pas? Est-ce que vous êtes déçue? Voilà, j'attends vos avis pour en discuter un petit peu avec vous. Et maintenant, on va aller voir un petit peu du côté du gameplay. Ce qu'il en est, je pense que le gameplay, par contre, je le testerai en live directement à la levée de l'embargo. Ce sera nettement plus sympa de voir ça avec vous que de vous en faire un résumé. D'autant plus qu'il n'y a, à ma connaissance, pas de nouvelle façon de faire crac-crac. Du coup, pour le coup, le pour la science, on va oublier. Voilà. Bah, ce sera tout pour moi. Je vous fais plein de gros bisous les amis. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et on se retrouve très très vite. Ciao tout le monde.